Ok, donc bonjour à toutes et à tous. C'est le Rêveur Perché. Là, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas une vidéo, genre où on va se taper des délires et tout. Bon, j'ai oublié de faire l'intro, vous m'excuserez. Voilà. Ben, j'aimerais vous parler de Grand Diable. Grand Diable, je sais pas si vous l'avez connu, mais c'est un gars qui a commencé sur YouTube il y a. Attendez. Je vais regarder. Je voudrais vous en parler parce que c'est hyper important pour moi. Inscrit le 25 décembre 2015. Ok. Alors, qui c'est Grand Diable? Je vais vous en parler un peu. Grand Diable, c'est un youtubeur qui avait à ce moment-là, il devait avoir, ouais, il avait dans les tranches de 13 ans. Voilà, c'est l'âge vraiment. Il avait une maladie qui est rare, où il y a 75 personnes qui l'ont dans le, il me semble, en France. C'est une maladie des muscles, c'est-à-dire que ses muscles n'ont pas de force pour pouvoir se tenir en lui-même. Le corps ne se tient pas en lui-même. Je tenais à vous dire qu'il avait une maladie qui était rare, donc je ne sais pas si elle pouvait se sauver ou pas. J'ai pas eu le temps à ce moment-là de pouvoir vraiment regarder, parce qu'à l'époque j'en ai entendu parler, mais j'ai pas pu regarder vraiment. Je veux juste vous dire qu'à l'heure actuelle, le 9 juin 2017, bah, il est décédé. Voilà, donc j'en parle que maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avant, j'aimais pas trop parler de ce genre de choses et tout. C'est un peu triste parce que tout simplement, je vais vous dire, il a été sur YouTube et les seuls moments où on aura pu lui donner cette chance de pouvoir être sur YouTube, c'était là. Donc sachez qu'il a 240 000 abonnés de toute façon. Voilà, il avait atteint au moment où il parlait de sa maladie, il était déjà à 140 000 abonnés. Et j'aimerais parler d'un YouTuber à ce moment-là qui a pris le temps d'aller le voir, qui s'appelle Dailymotion. Voilà, il n'y avait pas que lui évidemment, mais Dailymotion et Thomas, qui sont deux grands amis. Voilà, donc Dailymotion, c'est bien celui que vous connaissez qui a fait des raps et qui a parlé du fait qu'il soit un petit peu avec du poids, un peu beaucoup de poids pour pouvoir justement, il a été sur YouTube pour ça, c'est sa raison pour laquelle il a commencé. Et Kylian donc avait vraiment ce truc de vouloir aller sur YouTube parce que justement ça le sortait de tout ça et il pouvait penser à autre chose. Et voilà, donc sachez à ce moment précis que il est plus là. Voilà, il n'est plus là. Et c'est un gars à ce moment-là qui a été méga fort et qui a fait au taquet de vidéos. Qui a. Putain, non, non, là je suis désolé, mais je mets la musique un peu moins forte. Parce que voilà. Je voulais mettre un peu une musique de fond quand même pour parler de ça. Mais non, vraiment, je voudrais juste que vous preniez attention sur le fait que. Ce gosse, il a 13 ans. Moi, ce qui me saoule, c'est qu'il y a des gens comme ça. Ils ont le cœur sur la main, ils ont tout ce que vous voulez. C'est des gens, ils s'éclatent dans ce qu'ils font. Ils ont rien demandé. Et il y a un truc comme ça qui va leur tomber dessus. Donc là, je pense que quand on est à côté, qu'on se dit qu'on a des problèmes d'impôts, voilà, à côté, c'est rien parce que lui, bah, il n'a pas eu la chance de s'en sortir. Sachez qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, Dailymotion est allé le voir et lui a créé un PC gamer pour lui, en fait. Ça date de quelque temps cette histoire, mais ne pas parler de cette chaîne, je pense que ça serait pas cool pour lui. Donc voilà, sachez que moi je voulais en parler parce que il est décédé et je voudrais lui rendre un petit hommage sur cette vidéo. Parce que à ce moment-là, moi j'ai commencé YouTube aussi et tout. Il y en a certains, vous le savez, vous avez commencé YouTube parce que il y a vraiment des vraies raisons. Moi, ma vraie raison, c'est que à ce moment-là, j'avais besoin de un peu peut-être de prendre confiance en moi ou de voilà, j'ai besoin de parler à des gens, je peux pas rester solo à tout le temps être dans mon coin et tout, voilà, même si c'est un truc que j'adhère et tout, enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, donc je parle de lui parce que voilà, je voudrais juste que vous preniez attention et que vous preniez le temps d'aller voir. Il avait fait des vidéos, vous pouvez encore les voir, c'est encore accessible cette chaîne. Évidemment, il est plus actif depuis un an maintenant. Je voudrais juste que vous alliez voir et que vous preniez le temps d'aller voir et de comprendre cette histoire parce que moi ça m'a un peu touché de voir que il n'y a pas que sur YouTube genre des cons, c'est ça que je veux vous dire, il n'y a pas que des gens qui sont là parce que ça y est ils pètent des câbles ou qui sont fous dans leur tête ou qui sont capables d'eux, il y a des vraies raisons pour lesquelles les gens sont là. Je rappelle à ce moment-là qu'Enjoy Phoenix quand elle a commencé à se faire harceler,
Il y a plein de sujets comme ça où les gens ont commencé sur YouTube pour cette raison. Donc c'est pour ça aussi que pour moi c'est une personne hyper importante et genre que j'oublie pas. Donc voilà, Squeezie en quelque sorte, il a commencé aussi parce que il trouvait ça énorme et il avait un peu le truc de vouloir créer des choses et en même temps il se sentait pas bien à ce moment-là. Il faut savoir qu'il savait pas trop où il allait. Donc il y a plein de raisons. Il y a des gens qui sont sur YouTube en fait parce qu'ils ont des raisons vraiment. Donc voilà, je voudrais juste faire un hommage à lui et à sa famille qui à l'heure actuelle de voilà la famille est toujours là, il y a le papa, il y a la maman, il savait qu'il allait sur YouTube. Donc voilà, je voudrais faire un putain de gros merci parce qu'à ce moment-là, j'ai suivi un peu ce qu'il a commencé à faire. Il y a des youtubeurs qui se sont consacrés à lui. Et voilà, donc je voudrais juste faire un gros hommage à toi particulièrement, je voudrais que tous les gens qui m'aiment là à l'heure actuelle, ils vont voir la vidéo, vous preniez le temps d'aller le voir. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je mettrai sa chaîne en description. Mais voilà, je peux pas me permettre de faire tout le temps des vidéos où c'est l'éclate et tout parce qu'il y a des sujets comme ça qui tombent. Il y a des youtubeurs qui sont malades, il y a des gens qui vont pas bien du tout. Et je voudrais faire une putain de dédicace à ce gosse. Voilà, il a 13 ans et je suis désolé pour lui. Je suis désolé pour lui. Ouais, je suis désolé pour lui. S'il y a des sujets comme ça, moi je peux pas genre passer à côté. Et je sais qu'en parler un an après, c'est pas cool pour lui. Mais moi, ma façon à moi de pouvoir en parler, ça sera comme ça. Donc voilà, je suis désolé. Déjà, grosse dédicace à toi. Si tu nous entends là-haut, grosse dédicace, frère. Mais grosse dédicace à sa putain de famille qui a tenu bon jusqu'au bout et qui avait un putain de cœur d'acier. C'est un truc de taré. Il y a Dailymotion qui allait le voir et tout, il a pris le temps. Il était censé aller à la Paris Games Week à ce moment-là, la toute première, je pense. Voilà et tout. Et il me semblait que c'était son pote Thomas qui n'a pas eu le temps d'aller le voir. Donc voilà. Je voudrais juste faire une pause sur lui. Voilà, donc sachez que je suis abonné à sa chaîne. Voilà, c'est un gars que s'il avait pu s'en sortir, je pense que il aurait franchement cartonné de ouf parce qu'encore une fois, il proposait des vidéos super bien travaillées, même mieux travaillées que les miennes peut-être à l'heure actuelle. Donc merci. Merci vraiment. Merci. Je suis désolé pour toi. Donc c'est pour ça que je voudrais que les gens ils prennent conscience que quand il y a des gens qui sont malades, qui sont pas bien et tout, qu'ils sont sur YouTube, faut que vous arrêtiez de faire genre ouais putain c'est de la merde parce que je sais qu'il y a des gens qui ont craché sur lui. Il faut le savoir, son père a fait une vidéo où il y avait des gens qui se sont moqués de lui quand il avait sa maladie. Il s'est filmé avec sa maladie en train de jouer. Donc ça, je voudrais que vous compreniez quelque chose, c'est que c'est pas cool ce que vous faites les gars. La vie de ma mère, il y a des gens vous faites ça, faut pas faire ça. Faites pas des choses comme ça. Il y a des gens, ils sont sur YouTube parce que voilà, ok, ils y sont parce qu'ils y sont. Il y en a, ils y sont parce qu'ils ont plus que ça. Ils ont plus que ça qui les tienne. Lui, ce qui lui redonnait le sourire chaque jour et ce qui lui motivait, c'était ça. C'était d'être là, être avec des gens de l'autre côté qui l'écoutaient. Même si c'était par écran, il y a toujours des gens qui écoutent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis sur YouTube et je sais que au début, ça fait bizarre parce qu'on est devant un écran, même lui, ça lui fait bizarre, je pense. T'es devant un écran, au début, tu comprends pas, tu parles là devant un écran, tu te dis, il n'y a personne qui m'écoutera. À un moment donné, il y a un gars, il tombe sur ta vidéo. Et c'est comme ça que ça démarre. Il y a quelqu'un qui va tomber sur ton truc. Il va décider de t'écouter. Toi, tu vas le voir de l'autre côté parce que quelqu'un, il aura marqué une vue, ça sera une personne qui aura pris le temps de la regarder. Et même si c'est pas en entière, elle est tombée sur ce sujet. C'est ce qui amène du monde. Parce qu'il y a quelqu'un, il va en parler au bout d'un moment. Ben, il y a un tel, il avait fait ça, si tu veux aller voir. Et bien, cette personne, peut-être qu'à ce moment-là, elle regardera plus ta chaîne. Mais il y a d'autres gens qui vont venir et qui vont aller prendre le temps. Donc voilà. Voilà, je voulais parler de ça parce que j'en profite aussi. Et là, même si j'ai les 409 abonnés, je vous remercie beaucoup. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est lui. Faut que vous alliez voir. Faut que vous alliez voir parce que voilà. Je vous montre pas de photos ni rien parce que je pense que c'est assez. C'est déjà assez chaud. Là, c'est chaud d'en parler. Je vais pas vous montrer des trucs comme ça parce que là, je vais fondre en larmes. Je voudrais juste que vous preniez le temps que vous compreniez que pour ceux qui ont la chance d'être en putain de bonne santé et tout, bah, genre positivé de ouf parce que la vie, qu'il y a des gens que
Ok, il y a déjà, ils ont la maladie, ils arrivent à passer à autre chose parce qu'ils sont accrochés à quelque chose. Et YouTube, c'est ce qui lui a permis justement de passer à autre chose. Mais comprenez qu'il y a des gens, ils sont vraiment dans un putain de besoin. Ils ont un truc qui leur tombe dessus et ça fait que ça fout le bordel pour tout le monde, pour eux, pour des gens autour et tout. Et quand on voit le sourire qu'il arrive encore à donner avec les vidéos, avec d'autres choses, des passions, c'est pour ça que les gens qui se mettent dans les passions, faut pas les juger. Vous savez pas de l'autre côté ce qui se passe ou pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils s'en mettent à devoir être là-dedans, parce que c'est des gens, ils prennent le temps de faire des choses. Donc franchement, comprenez qu'il y a des gens, quand ils sont sur YouTube et qu'ils veulent pas parler ou qu'ils sont enfermés sur eux-mêmes, il y a quelque chose qui a fait qu'ils en sont venus là. Ça fait plaisir à personne. Il y en a, ils rêveraient d'avoir la vie que certains ont là, de tout avoir qui va bien et tout. C'est pas le cas pour certains. Faut vous dire que c'est pas le cas. Moi, je fais une grosse dédicace à tous ces putains de YouTubeurs, lui y compris. Je fais une grosse dédicace à tous les YouTubeurs, toutes les personnes, garçons, filles, tout le monde qui sont malades et qui ont quand même la force, la rage de se battre, d'avoir le sourire, d'avoir le smile et d'être sur YouTube, parce qu'il y en a qui assument leur maladie et qui se montrent sur YouTube. Donc grosse dédicace à vous. Voilà, je termine cette vidéo là-dessus. C'est important pour moi d'en parler. Donc, et que sa famille comprenne bien que si je fais la vidéo que maintenant, c'est parce que j'ai pas parlé avant. Pas du fait que j'étais puéril, mais c'est pas des sujets que j'aime bien parler, parce que ça me... C'est touchant, c'est juste, c'est putain de touchant. Et voilà, ça fait chier, c'est tout. Donc, pour tous les moments où il aura profité, c'est super cool. J'espère que cette chaîne, elle restera tout le temps ouverte. Parce que voilà, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent que ça existe, c'est là. Et même sur YouTube, il y a des sujets comme ça qui apparaissent. Donc voilà. Grosse dédicace et voilà. J'espère que vous prendrez le temps d'aller le voir et que vous irez voir sa chaîne. Et prenez le temps de vous abonner, je pense que c'est important pour lui. Et même pour les gens peut-être qui sont encore autour. Parce que la famille à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'elle devient. Mais je voudrais qu'ils comprennent que franchement, toutes les condoléances qu'il faut. Voilà, adressées de la part d'un youtubeur, d'un vrai youtubeur.